Alors, où j'en étais, du coup, tu m'as fait perdre le fil. Excuse-moi, Ah t'étais en train oui, de dire, donc moi, ça ma pourquoi charge, je m'en est-ce qu'on rappelle emmène et un tout. gosse au Et les bled femmes de pour le circoncire? Parce qu'en France, déjà, c'est mal vu et que bientôt, ce sera interdit. Bientôt, ce sera interdit. Écoute bien ce que je dis et tu reviendras sur live et tu me diras, ah oui, t'as raison. Et pourquoi ce sera interdit? C'est pas parce qu'on n'aime pas l'islam, c'est pas parce qu'on n'aime pas le judaïsme. C'est parce que c'est une forme de torture. Un acte médical non nécessaire est une torture. Tu comprends ou pas? Donc tu peux bouger les bras dans tous les sens. La définition, elle est claire et on va finir par l'appliquer. On va finir par l'appliquer. Ali Baba, il enchaîne les sophismes. Merci, Elite Business. Alors, ben, si en France ils veulent l'interdire, ben grand bien leur fasse et ils le feront. Et ceux qui voudront se circoncire leurs enfants, ils iront à l'étranger. Comme l'avortement est interdit jusqu'à une certaine période en France, et il y en a qui vont en Belgique ou en Espagne pour avorter à des moments un peu plus tardifs Entendu. de la grossesse. Je viens Entendu. pas, je viens échanger avec toi de manière plus philosophique que religieuse. Mais J'ai moi, je ne en suis pas là aucun pour cas. échanger de manière philosophique. Je suis là pour faire interdire les textes criminels de l'islam sunnite. Je ne suis pas là Ah, pour échanger d'accord. pour faire de la philosophie. Je suis là pour qu'on n'ait plus le droit d'écrire et de prononcer celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Bah alors, est-ce Je que je veux peux. interdire ça, tu comprends ou pas? Ma position, elle est très claire. Est-ce que ta position, elle est aussi claire que la mienne? Bah, Abou ma Halouf, position. soit tu te mutes, soit tu descends, s'il te plaît. Ma position, moi, elle est que chacun fait sa vie. Tu peux, donc là, tu viens de m'expliquer que tu es dans un combat contre l'islam et la propagation des textes sunnites, etc. À ce moment-là, tu peux aller à la source directement du monothéisme et prendre les trois livres, même si on va dire qu'entre les deux, c'est plus un livre de recueil et de témoignage, les évangiles. Mais voilà, puisque. Et Non, puis là. la mythologie ne m'intéresse pas. La mythologie ne m'intéresse pas. Il n'y a personne qui applique, tu vois, il y a personne qui applique l'idéologie aztèque qui nécessite de sacrifier le cœur des vierges pour que le soleil se lève. Je Et parlais du monothéisme. comme personne n'applique ça ne me concerne pas, même si c'est dégueulasse et horrible comme idéologie. Mais par contre, dans l'islam, les textes sont appliqués. Ils sont encore appliqués dans beaucoup de pays sur Terre. Ils sont appliqués dans les pays où j'ai grandi, où j'ai vécu, où je suis né. Et je veux, il y a des gens qui essayent de les ramener en France. Et moi, je ne veux pas ces textes. Et toi, je te demande de prendre position. Est-ce que tu es avec moi pour l'interdiction de ces textes qui criminalisent par la peine de mort le délit de pensée? Ou est-ce que tu n'es pas avec moi? Tu es neutre sur ce sujet. Ou est-ce que tu es contre moi et tu veux que ces textes arrivent? Tu vois, tu as trois positions simples. Donc, ce n'est Bah pas un écoute, débat philosophique. Je m'en fiche de la philosophie. moi je suis contre et je suis même contre ce qui se passe en Arabie Saoudite à partir du moment où déjà la charia elle est réservée aux pauvres et aux gens qui n'ont pas de pouvoir, alors que les riches eux ils font ce qu'ils veulent. Donc déjà de là c'est biaisé. Et je voudrais te poser une question sans rentrer vraiment dans ta vie privée parce que des fois les gens le prennent mal. Tu es de quel pays puisque tu disais par rapport à ton pays, etc. Tu dis C'est de. pas intéressant, je suis d'Arabie Ah. Saoudite. Mais la question, D'accord, c'est. T'as ok. pas répondu. Donc tu es contre. Donc tu es pour que je continue de parler de cela et de Je critiquer l'islam dans ce pays. suis pour le fait que tu sois libre tant que tu n'es pas insultant et que tu ne rentres pas dans la vie des gens, comme je ne veux pas que l'islam rentre dans ta vie, c'est-à-dire que moi, je suis pas Donc venu pour je te dire. répète ma question. Quand je fais un Je live. t'ai répondu, hein, là. T'es d'accord? Non, t'as pas bien répondu parce qu'au début, tu m'as dit, t'as pas l'impression que ça peut blesser des gens, les oncles, les tantes. Je repose la question. Est-ce que promouvoir l'interdiction totale des textes qui veulent s'immiscer dans ma vie privée, des textes sunnites, ça va blesser et vexer les musulmans et je dois arrêter de le faire? Ou est-ce que ça va faire du bien aux musulmans et tu penses que je devrais continuer de le faire? Bah, je pense que si jamais toi tu trouves que c'est une mission et que c'est un combat juste, vas-y, fais-le, grand bien te fasse. Et peut-être qu'à un moment dans ta vie t'évolueras et tu verras que en fait t'es en train de perdre ton temps au lieu de t'occuper de ta vie ou de mettre ton énergie dans des choses plus constructives. Mais après, quand je t'ai dit, tu vois, là je te pose la question, depuis ce matin quand tu t'es réveillé, est-ce que l'islam t'a fait chier, quelqu'un t'a emmerdé ou après oui, t'es dans une posture de fronde, go. T'es libre, je vais pas. Mais voilà, est-ce que l'islam t'a fait chier et. Non, mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. Mais Tu je comprends dis pas, je te ce que réponds, tu veux. Mais moi, la je question, t'ai pas c'est répondu. est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le faire? Ou est-ce que tu penses que je devrais arrêter et du coup laisser ces textes s'immiscer dans la société, laisser ces textes exister? Et toi-même, est-ce que tu veux être passif ou tu veux te battre avec moi pour que ces textes ne viennent pas dans notre Non, pas société? du tout. Je ne veux pas me battre avec toi et je ne veux pas me battre contre toi. Tu fais ce que tu veux, en fait, ça Je m'est te égal. remercie. Je te remercie Non, parce mais que vraiment. j'ai bien compris ta position. Ma position est claire. Je ne veux pas de peine de mort islamique sur Terre. Et toi, ta position est claire, je vais laisser faire.
Non, pas du tout. Alors, la peine de mort, elle n'est pas que dans les pays islamiques. Tu es d'accord ou pas? Oui, mais moi, je ne me bats pas contre les autres pays. Je me ah, bats d'accord. Contre donc voilà, uniquement. Sunnite. Tu comprends, c'est ou comme, pas? Tu comprends ou pas? C'est, oui, donc tu te bats, d'accord, tu te bats contre l'islam sunnite, c'est-à-dire que la pédophilie ne te dérange pas dans tous les autres pays, sauf dans les pays comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. J'ai pas compris. Tu veux donc que je tu ne protèges pas les gamines, les terre, enfants. C'est ça? Non, mais tu veux que je me batte de la pédophilie? Non, faut dire que c'est, faut dire toi, que ça pue et que c'est dégueulasse de partout. Ouais. Bah, très bien, moi je le dis. Vas-y, dis-le, fais-moi dire une mais phrase. Je donne mon avis. Vas-y. Comment? Non, mais et que c'est horrible. La pédophilie est une horreur. Et moi, mon champ de compétence, voilà, là où ça m'intéresse, c'est de me battre dans le cadre de l'islam sunnite. Il y en a d'autres qui se battent ailleurs. On a chacun notre part. Mais toi, tu vas ralentir ce combat ou tu vas soutenir ce combat? Ben, le mariage avec des personnes jeunes, la peine de mort, etc. Ouais. Bah, ouais, la pédophilie, si, si tu veux le ralentir ou même combattre et tout, je te donne un vrai conseil qui peut être vraiment bien dans ton combat et qui peut être utile, bah, c'est déjà d'écrire un livre. Tu vois, comme ouais, ça, tu pourras vraiment... Non, mais vraiment, c'est sincère, hein, d'écrire un livre avec la pédagogie de notre époque et pouvoir déjà expliquer ton témoignage, pourquoi t'en es arrivé là, ensuite développer... Et t'écris un livre, et puis là, tu vois, quand je monte, tu me dis, bah écoute, il y a un lien, il y a mon livre, achète-le, et tu comprendras ce que je pense, et, non, et tu bien pourras compris, mais diffuser mec, ton c'est mon idée. Premier live, j'ai mon premier live, champion, le c'est livre, ton il live, c'est ton premier live. Mais oui. C'est ton premier live. Mais oui, champion. Ah ouais, et t'es déjà quand même boxeur, hein, premier live. Hein. Bah t'inquiète, j'ai appris, hein, j'ai fait ma vie. Non mais t'es... Je t'agace, moi? Je t'agace? Non. Hey. Je te dis un truc, si tu m'agaçais et si je te respectais pas, tu serais pas dans le live avec moi en train de parler. C'est parce que je respecte ton intelligence que j'essaye de te faire comprendre. Non, mais c'est le premier live que je host. C'est le premier live que je host, mais je monte sur des lives de temps en temps. J'ai commencé TikTok il y a longtemps, c'est pour ça que je connais Jack, hein, on se connaît. Mais les lives TikTok, c'est le premier, quoi. Où, la dernière fois, j'en ai ouvert un, il y a eu 10 personnes et j'ai refermé. Là, c'est parce qu'il y a Jack qui met en valeur, tu vois, c'est pour ça qu'il y a du monde qui arrive. Ouais. Non, je respecte ton intelligence. C'est pour ça que je te confronte à quelque chose qui, toi, t'as peut-être l'impression que c'est humiliant ou j'essaie de te rabaisser. Non, j'essaye de te faire comprendre qu'il y a des choses qui en valent la peine. Et je te rajoute un truc. Parce que vous êtes des gros hypocrites. Dans ces cas-là, pourquoi vous sortez pas? Pardon? Pardon? T'es encore là pour une monarchie? Bon, bah, je vais finir tout seul. J'ai compris, je crois que c'est sa meuf imam qui est arrivée pour dire que je suis un gros hypocrite. Non, mais ça fait plaisir. Du coup, l'islam, comme toute idéologie malsaine, parce que c'est une idéologie malsaine, va disparaître. Elle est vouée à disparaître. Tout comme l'idéologie aztèque a disparu, tout comme l'idéologie grecque mythologique a disparu, l'islam va disparaître. C'est clair et net. Toutes les idéologies disparaîtront, le judaïsme disparaîtra, le christianisme disparaîtra, et ils seront remplacés peut-être par d'autres sectes. C'est pas la question. La question c'est, avant qu'elles disparaissent, est-ce que tu veux minimiser la souffrance qu'elles causent? Est-ce que tu veux maximiser la souffrance qu'elles causent? Avant que l'islam disparaisse, combien de circoncisions sans anesthésie et sans consentement? Avant que l'islam disparaisse, combien de circoncisions sans anesthésie et sans Oh là là, t'as deux micros, on a Larsen, du coup je t'ai fait descendre. Du coup, ça reste. Avant que l'islam disparaisse, je finis ça et après, si tu veux, on peut parler à Boucochon. Combien de ça tu veux encore tolérer? Combien de têtes coupées tu veux encore tolérer? Combien de millions de mamans et de papas qui souffrent parce que leur fils, ils sont convaincus qu'il sera torturé par leur sadique de Allah en enfer? Tu veux que ces personnes continuent de souffrir? Est-ce que tu veux accélérer cette souffrance? Est-ce que tu veux en faire plus? Ou est-ce que tu veux la minimiser en accélérant la fin de cette idéologie barbare? C'est la seule question que tu peux te poser, parce que l'islam va disparaître, je le répète. Mais quand est-ce qu'il va disparaître et combien de gens vont souffrir avant que ça arrive? Voilà. Ah, il y a d'autres personnes qui veulent monter. Ah bon, bonjour. Allô, bonjour. Bon, moi, on m'a pas élevé dans l'islam. Ouais. Là, vous parliez de la circoncision à ma naissance, par contre on m'a laissé le choix entre une longue bistouquette ou une bonne mémoire. Ouais. Je sais plus ce que j'ai choisi.